Bonsoir YouTube! On est là de la planète Twitch! Drop your mic, welcome to the party, welcome to the family, Echo Games TV! Echo Games Family Channel! YouTube, bon matin, bienvenue à vous, on se retrouve encore sur ces belles et douces vidéos qu'on aime tant. On a commencé une série de FFX, donc de Final Fantasy X plutôt. Et là, on va y aller avec une autre série qu'on va faire en parallèle, la série RE3. On a des gens avec nous sur Twitch parce qu'on est également en live durant l'enregistrement de ces vidéos, au moment de faire ces vidéos. Donc bonsoir à Twitch, bonsoir à Kick également parce qu'on est sur Kick. Bonsoir à vous tous et vous toutes. J'espère que vous allez vous plaire dans cette vidéo. Mon nom, Echo Games QC. Et on accueille nul autre que Mick Le Fury avec nous, le légendaire streamer québécois qui fait beaucoup de gaming aventuresque et d'horreur. Est-ce que tu es là, Kémik? Réponds-nous par la voix. Oui, oui non. Je suis un, là. Deux, fais-nous donc ton petit test. 1, 2, 3, test. 1, 2, 2, test, test. Je suis beau, honneur au Dieu. Donc bonsoir, Kik, Twitch et tout, et YouTube, bonsoir. On va commencer un let's play nul autre que RE3. On a commencé FF2 tantôt, on a fait 3, FFX, pardon. Final Fantasy X, on a fait 3 épisodes, les 3 premiers. On va balancer demain, au moment de l'ouverture du stream, qu'on va balancer sur YouTube, et R6 suivra quelques heures plus tard. Donc on part à l'aventure de R3. Voilà, pas R6, mais R3. Resident Evil 3, pardon. Allez, on part à l'aventure. Bienvenue sur Resident Evil 3. Donc voilà ce jeu. Kémik, explique-nous donc qu'est-ce que RE3, donc Resident Evil 3 pour les intimes. Ah, c'est un jeu de d'énigmes avec des zombies, en fait. Exactement. Et c'est gracieuseté de Capcom. Merci beaucoup à Capcom de m'avoir offert ce jeu. C'est très, très apprécié. Merci pour ton follow en passant, Shady. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à le faire. Et les autres qui sont sur YouTube, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner, souscrivez un abonnement et commentez. Et les liens de la chaîne Twitch sur laquelle on est là en ce moment et de Kik seront mis en description, et 5 celles de Kémik, qui est notre invité de la journée pour parler gaming, parce que nous sommes aussi en moment, les épisodes de Parlons Gaming devraient suivre aussi également prochainement, où on aura des invités différents à chaque semaine pour parler de leur choix de gaming, de l'heure, le coup du jour gaming. Et notre premier invité, je vous l'annonce aujourd'hui, il n'est pas au courant, mais il est avec nous, ce sera Kémik. Kémik, tu seras notre premier invité dans nos vidéos en mode « Parlons-en du gaming ». Est-ce que tu es content de ton invitation? Est-ce que tu acceptes l'invitation? Bien sûr. Donc on se retrouvera prochainement dans le tournage de ces vidéos, et ça sera hors ligne, parce que je ne veux pas vous gâcher la surprise de ce que sera le hype de cette vidéo. On la fera hors ligne pour cette vidéo-là en particulier. Donc voici RE3. On a des bonus, on a des skins, on a plusieurs persos. Comme vous le voyez, on a presque tout terminé le jeu. Donc on va le relancer, une nouvelle partie par contre, parce que moi je l'avais terminé en hors ligne et on l'a fait pour la première fois en live sur Twitch. Donc on va le mettre en normal cette fois. Donc explique-nous le pourquoi des zombies, de cette histoire rocambolesque de Raccoon City, qui est la ville où se passent ces événements. Explique-nous, Kémik. Qu'on suive un peu l'histoire. C'est plus compliqué, en fait c'est un virus qui a été créé par Umbrella Corporation. Dans un but de... Je vais qui a été libéré par un groupe de rebelles qui tentait de prouver que Umbrella n'était pas une bonne compagnie en cassant une fiole dans l'usine d'elle-même qui était propagée aux alentours de Raccoon. C'est propagé, vous voyez, des émeutes, des zombies. Exactement. Et ça, c'est des parties du film 1, 2 et 3 qu'on voit là. Umbrella Corporation, aussi pire que Fire Corporation. Et savais-tu que l'usine Umbrella Corporation existe réellement? Oui, Kémik, je le sais. Mais ce n'est pas en fait des virus, ce n'est pas des virus qui se font. C'est un souverain. Êtes-vous prêt, chat? Êtes-vous prêt? On se balance. Là, ce jeu est momentanément. On va skipper un peu les cinématiques qui sont comme d'ouverture. On va commencer directement dans l'histoire. Alors, êtes-vous prêt? Là, on se réveille. Je ne sais pas qui on est, où on est. Mais on est là. Pour une chose qui est sûre, on est là. Donc écoutons attentivement ce qui se passe. A priori, on est une dame
d'à peu près une trentaine d'années. J'imagine qu'on est peut-être Alice ou peut-être Claire ou peut-être même un autre. Mais je sais que c'est. Est-ce que tu veux que je dise quelque chose? Ou ça pourrait spoiler un petit peu Non, quelque chose ne et spoil ça pourrait rien, spoiler les Kimik. films. Ça pourrait spoiler les films en Donc, fait. je Si je bouge. vais pas Ah, la série. voilà. On a quoi? On a quoi ici? Une voiture de police. On a la plaque du Bah Star. oui. Donc, on est dans le Star, apparemment. Ah. Téléphone. On dirait qu'elle est dans sa Télé maison, on qui dirait clignote. plus. Et il pleut, il pleut, il pleut. Qu'est-ce qu'on a ici? Des On produits, dirait du qu'elle est plus dans sa café, maison. une petite bière ou capsule de bar sauce barbecue. On a une télécommande de télé, donc elle écoutait la télé avant de dormir. Des radios, des disques Exactement. de musique ou de jeux PlayStation 1. Donc, pour faire référence à avant qu'il est sorti sur PlayStation 1. Là, on a une toast non mangée, un café. Elle a pas une pratique non mangée. On a quoi ici? Des biscottes, non des pâtes, spaghettis, du savon, un lait au chocolat, on dirait où? De l'eau de Javel, des biscuits. Et tout ça me semble tout. Là, on a une porte, on n'ouvrira pas tout de suite. Là, on a une sortie en mode coucou, les coucous. Des parapluies, ça va sûrement nous aider tout à l'heure. Apparemment, il n'y a pas d'autres trucs. C'est Barbera, on n'est pas capable d'accéder au garde-robe. Est-ce qu'on peut utiliser la commode? Non, pas encore. On va aller voir quelque chose dans la chambre. Est-ce qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'on a là? Tiroir ouvert, on ne peut pas interagir avec rien de ce qui se trouve là. La télé non plus, a priori, le téléphone. Donc, jusque-là, ça va. On semble se réveiller dans une nuit cauchemardesque. Voilà, Regarde l'écran de voilà. télé, une seconde. Mais quand t'es dans la chambre. Ah non, il n'y a rien. Ça fait juste clignoter comme si la télé était endommagée ou qu'il n'y avait plus de signal du tout. En mode brouillage de signal. Et voilà. Ah, il y a un flingue sur le lavabo. Elle garde ça en priori pour pas se faire attaquer vu qu'il y avait une policière. On a quoi ici? Des produits ménagers ou un panier cadeau. Pas trop de produits ménagers. On peut laver. On a de l'eau. On a un flingue. On a un genre de vapeur. Non, c'est du maquillage. Et là, l'eau coule. Pourquoi l'eau coule-t-elle? Ça, c'est ma question. J'ai dû m'endormir en la laissant couler. Et là, j'ai du sang qui tombe du visage. Pourquoi? Ah! Mais non, c'est pas clair! C'est nul autre que Jill Valentine! Ya! Yeah, c'est Jill! Gil Valentine! C'est Gil, on dit, on prononce Gil ou Gilles, Kimi? Gilles Valentine. Gil Valentine. Donc, bon sang de bonsoir. Ça commence bien. On commence l'histoire avec une Jill Valentine exposée au virus en transformation. Je ne vois pas c'est son mec qui dort à côté d'elle dans le lit, hein? Et là, est-ce qu'elle va? Non, non, elle va pas faire. Jure! Fermez-vous les yeux, s'il y a des enfants dans le stream ou dans la vidéo, fermez-vous les yeux. On n'a rien vu. On s'est fermé les yeux. Oh, ipso facto. Ipso facto. On découvre là une nouvelle caractéristique d'une femme qui semble avoir toute sa tête normalement dans les jeux Resi. Là, il se met une balle. Est-ce que ce sera réalité ou non? Nous verrons ça tout de suite. Oh, une lanterne telle. T'as coupé, hein? Encore. La À vidéo a couper. encore coupé. Ah, elle s'est partie de beau. Et elle est repartie. Elle est Ouais, non, repartie ça. de beau. Ouais, je sais, ça repartit. Petit souci de connexion ce soir. Donc on est de retour, tu vois, ça a bugué un petit peu, je suis désolé. Donc YouTube, on est de retour dans l'enregistrement. On reprend ici. Et tout de suite. Bon. Là, on a des trucs sur le lit, des papiers d'enquête. Avec disons. Ah, on a des cachets qu'on peut prendre. On va prendre. Elle a un peu trop forcé sur les cachets, les médocs. Ouais, on peut dire. Téléphone, est-ce qu'on peut l'utiliser? Non. Là, on a des trucs, je sais pas c'est quoi, des crèmes, des onguents. On va dire qu'on sait pas ce que c'est. Tiroir, on a la télé. Ça monte du feu partout dans la ville. Il semble avoir une lueur. On va aller voir ce qui se passe dehors. Là, on a quoi dans le tiroir? On entend des gens qui crient dans le corridor. Qu'est-ce qui se passe?
La cuisine, il y a de la bouffe, il y a un café, une toast. Non, là, c'est une soupe. Soupe de la pizza et oh, un café. C'est pas bon ménage. Et là, on re-rentre dans la salle de bain. En mode, on allume le courant. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même scène exactement ou pas? Non, il n'y a pas de flingue sur le comptoir. Il y a de l'eau. Là, on vous dégoûte pas. Ah! Mais là, c'est en ancien habit. À proprement parler, ça va quoi. Jill Valentine, quelle beauté. Pour elle. Pour un personnage du jeu, il est très joli. Et ils l'ont très bien fait. Elle n'a rien au visage. Ferme l'eau. Donc, on va plus tarder. C'est le 28 septembre à 20h07 à Raccoon City. Ah. Oui, allô, bonsoir. Ah, mais là, bordel, 28 septembre. Ils ont fait l'honneur à ma fête. Exactement, clin d'œil à la fête de... 28 septembre, c'est la date de ma fête. Oui, allô, aussi, Jill Valentine. Qu'est-ce que c'est? Brad, is that you? Brad. Oui, ils ont fait l'honneur à ma fête. C'est la fête de 28 septembre, le 28 septembre. Attends chez toi, je vais t'expliquer tout de suite. Un monstre, un zombie, qu'est-ce que c'est? Oh là, non, c'est Nemesis. Ne spoil c'est pas, Nemesis. Kimi. Ne spoil pas. Mais tout le monde sait. Ah, bordel. Elle a... Ouf. Il Allez. Est fort. Ouf. Et vite, est-ce que j'ai mon flingue? J'espère que oui. Il va falloir que je cours, je crois. On va tenter d'avoir le premier coup. Oui, par là. Effectivement, faut se courir. Et là, j'imagine qu'il va défoncer les portes. Exactement, et il me balance, il faut pas juste défoncer la porte. Ma parole, il me balance une porte. Allez, 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 bloque la porte. Allez, on court, il faut y aller. Non, faut y aller, faut y aller. Allez, c'est la ruban jaune de Rizzi. Let's go, on descend. On va tenter de l'éviter. Aïe, 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 aïe. Rentre là. Faut pas qu'il m'agrippe. Et là, faut faire vite, faut se pousser de là, faut se tirer de l'avant. Venez, mais 6 en 2. Aïe. J'ai rien dit, il vient de nous sauter dans la figure. Alors, Jill, est-ce que roule là derrière? Allez, on rentre. Est-ce qu'on va être capable de... Ah non, il sort sa grosse tentacule. Non, merci. Non, 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 non. Allez. Allez. On lui a coupé sa grande tentacule. Allez. Et là, il y a du feu. Allons-y, il faut faire gaffe au feu, mais il faut sortir de là au plus vite. Wow, l'explosion qui m'a soufflé à l'extérieur. Je suis déjà blessé d'avance. Allez, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller. Là, on a une échelle, on va aller. Non, j'aurais pas dû aller vers l'échelle. Il me balance à l'intérieur. Mais, Nemesis, gros, je te veux pas de mal. Moi, je suis ton ami. Et, je veux... Ben, lui, il a pas l'air de vouloir être mon ami. Il pète le plancher et... Non, non, non. Il court avec eux. Un morceau? Non, 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 cours, 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 cours. Allez, et merde, il me court après avec écho, un morceau. Écho, écho. Et oui. Je peux-tu te raconter une anecdote? Oui, je t'écoute, il me court après avec un morceau de... Oui, tu as vu le film Resident Evil 1? Attends, attends, Kimik, j'espère que là on l'a eu. J'espère qu'il est désingué. Eh, comme d'habitude, on sait bien que non, chat. On sait bien que non, on sait bien que... Oh putain. Eh, écoute, je te donne une anecdote. Tu as vu attendez, les gens le 1, oui. Attendez, Kimik, attends, je suis en train de lire. Là, l'objectif, c'est de quitter la ville. Ah, ça, c'est Brad. Écho, tu as vu Resident Evil, le film 1? Tu sais quand le gars se transforme, là? Le RPD, une autre unité de police de la ville de Raccoon City. La Raccoon Police Department. Alors, on va tenter de déjuicer des bons. J'ai mon flingue. Est-ce que j'ai. T'as vu le film Resident Evil 1? Le gars, quand il se transforme. Ah ouais, c'est vrai, ils arriveront pas seuls parce que. Il vient, il se transforme en ce que tu as vu avant. Mm-hmm. Oh, c'est le 3, il y a du feu partout, a priori. Ah ouais, des belles petites flammes d'explosion. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh pour l'amour de Dieu dans cette ville. Le feu est pris partout, les véhicules accidentés, les secours. What the fuck? Il y a des gens là-bas.
Ah d'accord, là il y a des aides en plus. En plus du gros machin truc qu'on a vu tout à l'heure, il semble avoir des aides. Alors bonne soirée d'anniversaire pour Mademoiselle Jill. Ouais non. Non. Est-ce que je peux résister ou pas? Ou je vais mourir le premier coup? Comment je faisais pour résister? Il n'y avait pas de bouton affiché de buton. Considérer la fuite comme ça une option. Ben. Mais c'est sûr, ça met en normal. Normal, il n'y aura pas de bouton, ils vont te dire comment faire. Ah merde. C'est pas vraiment ici, c'est pour ça que t'as pas le bouton. On va tenter de courir vers la salle là-bas. On n'a pas le choix et les aides ils nous courent après. Là, je vais pas te plaindre, ça va aller mal. Donc, let's go, on court plus vite que le vent nous pousse. Mieux ça sera. Ouais. Go, go, go. Cours, 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 cours. Ouais. Allez. J'ai eu une notice sur mon set, je vais regarder après. Oh non, Brad se fait mordre. On a un couteau, a priori là on va barrer la porte. Et de ce qu'on sait, c'est que l'infectation se transmet par la morsure, tiens. On peut rentrer, non? Et purée. Bon, j'imagine que c'est pas fini. Comment je prends pour prendre? Comment je fais pour équiper mon arme? Il y a un inventaire, quelque chose? Pas pour le moment. Bon, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des plantes à quelque part pour se soigner? Pas encore. Donc, let's go. Là, je crois que lui, il y a un flingue sur lui. Ah 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 ah. Ramasson. Le petit télé. Est-ce qu'il va bouger? Est-ce qu'il va réagir et tenter de nous attaquer? Je pense que on va savoir très rapidement. Oh oh, oh oh, tu vois ça le part de zombies, regarde bien ce que j'ai pour toi. Non. Non, 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 non. Connard de... Oh putain. Merde. J'ai plus de balles. Non, 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 non. Mais c'est connard de Z. Attends, mais ils s'attaquent entre eux. Mais toucher ça, le zombie. Ah, il y a trop de zombies. On se pousse. Allez, on se tire. Non, 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 non. Mais il y a trop de Z. On a plus de munitions, donc ce qu'on va faire, c'est... Oh, putain. Ah, la flèche nous dit carrément... Là, il est dessous. Let's go. On va tenter de... Non, monsieur. Non, monsieur. Je la referme derrière moi, ou pas? Voilà. Rendez-vous sur le toit du parking. Ben intéressant, c'est ce qu'on va tenter de faire. J'ai plus de balles. Merde. On prendra des balles pour combiner. Mais là j'en ai plus. Là j'ai clairement été infecté par le virus, donc il va falloir faire attention. Ouais, ferme la porte, chef. Le water hydrant, est-ce qu'on peut activer quelque chose? Est-ce qu'on a des balles? Ah, il y a des balles là. Et on va faire extrêmement attention comment qu'on l'utilise. D'ailleurs, là, faut juste voir un truc parce que là, sensi, du coup, ça le fait pas trop. Un poil trop sensible. Réduire un peu la vitesse et la visée. Attendez. Donc là, normalement, ça devrait être... Ah, parfait. Ça devrait pas être trop mal pour viser. Juste et efficace. Bon.
Alors allons-y. Vilain cabot pas beau. Il est mort. Et il y en a un autre, non? Faut que tu te relèves pas, gros. J'ai vraiment gaspillé mes balles. Hein. Faut pas toujours tirer, ça pourrait attirer des ailes. On va tenter de courir. On va se faire attraper par ceux qui sont en haut. Et là, on a un Z là-bas qui va probablement. Ouais. D'accord, il est pas sorti. Parce que j'ai d'autres Z autour. J'ai pas d'autres munitions. On va attendre. Là, lui, il va sûrement me sortir dans la figure. Donc, pour éviter ça, on va déjà le. Ah non, d'accord. On en a vu un qui était tout près à gauche. Est-ce qu'on n'aurait pas des balles, des mines quelque part dans ces véhicules? Je ne sais pas. Et bon, on va appeler l'ascenseur et j'imagine que. Non. Ah, stop. Punaise. Je m'y attendais. Ouah. Et merde. J'ai doc. Ah merde, non. Ah non. Aïe, non. Besoin de mon couteau, sors le couteau. Non. Est-ce que j'espère que je suis pas mort. Mais lâche-moi tranquille, le Z. Mais pourquoi ça m'ouvre l'inventaire? Ah, c'est les touches en dessous. Mais gros, non. Mais lâche-moi. Les Z, mais une zombie. Et voilà, on a tué un zombie. Lui se lève. Allez, toi, viens te battre, si tu l'oses. Et hop, hop, hop. Mais tu vas tomber, oui, sale Z. Bon, on va juste courir vers l'ascenseur parce que je pense que t'es mort. Allez, ouvre. Ding. Et on ferme la porte. Ding. On s'en va. Au roof. Roof. Airport. Roof. Ou toi en français. Alors, on va voir. Merci, un message. Bon. Alors là, ils vont se faire, comment dire, intercepter par, on dirait rien. Il faut que je trouve des balles parce que, vivement, je ne survivrai pas. En munitions, il n'y en a pas beaucoup, donc on va les économiser, oui. On va garder notre couteau sorti, juste au cas que on rencontrerait... des ailes. Oui, tu as Ryu. Mais quand on rencontrerait Ryu. Ryu, le man. Allez, on court. Et j'imagine qu'il va arriver. Pourquoi je m'y doutais? Je me doutais que ça allait arriver. Boum. Oh là là. Alors, c'est quoi qui a fait? C'est qui a attaqué l'hélico? Le son est un... Ah, le son est un peu fort. Attends, je vais t'arranger ça, monsieur JD. Ne bougeons pas de... Bon, je voulais redescendre à 70%. Alors. Ah. Allez, démarre. Saleté de voiture, tu vas démarrer, oui. Oh non. Regarde en avant. Je sais. Attends, quoi, il m'a tué? Oh, mais pourquoi il m'a tué comme ça? Pourtant, j'étais à fond dans l'accélération. Je pouvais pas passer plus sur ma touche que ça, quoi. Allez, on essaie encore. C'est DRT, c'est RT que j'ai tué. Ouais, mais c'est ça que je faisais aussi. On va tenter de survivre à ce monstre. Go, 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 en mode Yahoo! Oh là 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 là. Boum, kaboum, kadabim, bam, boum. Ah, zadabim bam boum, est-ce qu'on va survivre à ça? Je ne sais pas. Sorry.
Let's go. Let's go. Parti. Parti. C'est parti. Boom! Et on smash le monstre. Ouh! La chute fatale qu'on s'est fait. Ouh là 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 là. C'était... Non. Ah. Mais reste couché! Je t'ai percuté avec une putain de voiture. T'es censé être mort et ne plus bouger déjà. Ah. Allez, here we go again. On repart, chat. Boom. Encore. Stars. Mais tu sais ce que tu vas dire? Ouais. Tu sais qui Nemesis aurait été que ou c'est Lyon. C'est Lyon qui dit. C'est celui qui est dans le film 1 qui se transforme au début. Et ça c'est Lyon. À la fin du film, à la fin du film, je pense que oui. C'est Lyon S. Kennedy. Je pense que oui. Allez, bon. Allez, il te l'a démontant de tendre au mouvement, hein. Est-ce qu'on le reverra? Aucune idée, on saura ça bientôt. Hope so. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Who's the dipshit to close this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. Listen, I promise you. Là, je suis blessé, hein, donc il faut. The Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? You don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Ah oui, je viens. Mais tu vas y goûter, mec. Oh, un film de Twisted Metal. Ouais, quand est-ce? Ou comment on va? Je sais pas. On a un petit métro là. On... Le film Twisted Metal, je vais te dire ça, c'est une annonce. Bientôt en streaming. Allez, allez, j'ai été mordu. Bonsoir Kimik, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'attends votre entrée. Bonsoir. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice. Jill Valentine. Mikhail Victor. Platoon leader Mikhail Victor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. Et c'est exactement ce qu'on va essayer, chat, de faire bouger le métro. Parce que si c'est la seule solution, ben j'embarque, allez, on le fait. On le fait, chat, on le fait. Allez, boum, on le fait. On va essayer de trouver une solution à essayer de créer un miracle, quoi.
Allez, ma petite Jill, on a des trucs à faire, il va falloir que tu te bouges. Jill, t'es capable, Jill. Ah bah, c'est rien, monsieur, c'est rien, c'est normal, je suis un héros. Écoute, il est un héros, il va t'aider. Ah, un petit taki-waki, pourquoi pas. Tu m'as déjà sauvé la mise, je vois pas pourquoi je devrais pas te faire confiance, hein. Mais il y a toujours une entourage. Il faut pas... À la fin du train, il y aura une boîte où... Bon, poudre noire, ils me disent comment la recette pour faire des balles. On a ici pas de munitions, pas... Oh, ils ont tout. Là, je suis blessé. Il faudrait que je trouve une plante rapidement ou quelque chose pour me soigner. Tabernouk. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Papier journal, en haut la lumière qui clignote. Pourrais-je avoir des soins? Est-ce qu'on a quelque chose pour ouvrir? Alors là, je veux bien essayer de survivre, mais pas de soins, j'y arrive pas. Donc, j'espère juste que je tomberai pas sur des ailes. Ah, il y a des plantes, je les vois, donc on va pouvoir s'en servir. Pour se soigner, il y en a deux. On va faire un mélange. On a des... De la poudre, est-ce qu'on a des... attends, les caisses, on peut les piquer. Ouh, une plante rouge. Ça, on n'a pas la clé encore. Et on va juste combiner. On va faire. Oh, combiner avec ça. Bon, et ça. On va faire combiner avec ça. Ah, on va utiliser pour se soigner. Voilà. Ça, on va combiner avec ça. Et combiner ensuite avec le pistolet. Non. Allez, on met 15 balles dans le pistolet. Est-ce que je peux shot? Je ne crois pas. Donc, on va continuer à avancer. On faudrait trouver une première machine à écrire qui a un livre. Donc, est-ce qu'on a une machine? Ah, si on en a une là. Et est-ce qu'on a un anneau pour sauvegarder ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça sent prendre des pierres ou un truc. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Le Raiden. Ah bon, bah j'ai décroché. Et j'ai une arme, le Raiden, déjà en partant. C'est type merveilleux. Tiens, comment ça? Wow! Ah ouais, bon, bah on a déjà un truc pour nous aider. Ça, c'est cool. On a un crochet pour crocheter. Attends, est-ce qu'on peut crocheter le coffre là-bas? On va voir ça. Oui, ça marche. Des munitions de pompe. Ah d'accord. C'est bon ça. On va faire là. On va sauvegarder ici. Une autre fois avec tout le stuff qu'on a récupéré. Chat. Ou plutôt YouTube. Ce sera tout pour le premier épisode de ma foi du bon Dieu. Régi 3. On va continuer ça un peu plus tard avec Kimik, bien sûr, a priori. Kimik, dis-moi donc, qu'est-ce que tu trouves de ce jeu dès maintenant? Ben, c'est vraiment horreur, hein, on peut vous dire. C'est horreur, c'est rocambolesque, il y a beaucoup d'action. Premier coup d'œil, première impression de ce jeu, beaucoup de Z, un Z géant qui te court après partout. Des gens qui ont l'air à la base sympathiques, on verra plus loin s'ils le sont tout au long de notre aventure avec Jill ou autre personnage, s'il y a autre personnage. Parce que vous savez, Resident Evil, ils ont toujours l'idée d'incorporer 3-4 personnages jouables
ou des fois deux. On verra. On verra quand on sera rendu là. Donc je vous invite à suivre la prochaine épisode que nous tournerons immédiatement après celui-ci qui sera probablement diffusé, plutôt envoyé sur YouTube à la suite de celle-ci. On va envoyer 3 épisodes à la chaîne. On a fait des épisodes de 35 minutes environ. Donc c'est Echo et Kimi qui vous disent et ciao! N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, souscrivez à un abonnement et on se retrouve bientôt. Et ciao! Bonsoir YouTube! On est là de la planète Twitch!